Merci. Je vais continuer avec une chanson que j'ai appelée Brest en janvier. C'est une chanson qui est un peu ancienne maintenant, mais qui, à mon avis, reste valable parce que malheureusement, si c'est pas Brest et si ce ne sont plus partout des Africaines, il y en a quand même beaucoup, hein, en Italie en particulier. Et que moi je trouve, je continue à trouver scandaleux qu'on puisse, dans toutes les grandes villes d'Europe, trouver des filles mineures. C'est tout le monde. Voilà, vous, Brest. À Brest, ce jour-là, fume, il est froid, il y a du crime, un petit vent sur eau, et le long des mains. Les feux des rêves belles, des coupes dans le noir, des coupes de lumière, des coupes de lumière. Entre le port et la gare, attirant les regards, et reçoit une petite larme, de l'eau de ses vrais qui elles viennent du Bénin, elles viennent du Nigeria, de pays de soleil, où l'on ouvre le froid. Elles ont 16 ou 20 ans, mais n'ont pas de papier, pas d'âge, pas de nom, pas d'naturalité. Elles ont été vendues, laissées à coups de fouet, et violées et battues. Est-ce qu'elles vont accepter? Est-ce qu'elles vont accepter? On les a déportées, parties comme du bétail, et à peine arrivées, ils se mettent au travail. On les a menées en voiture par paquet, et là brutalement, jetées sur le pavé, je sais, sur le pavé. Elles ignorent le nom de la ville de la rue. Et on parle une langue qu'elles ne comprennent plus. Elles n'ont pas de famille, ne connaissent personne. Ce ne sont que des filles que le monde abandonne, que le monde abandonne. Là au coin de la rue, c'est à peine vécu. Et le vent vient glacer, leur peau beaucoup trop nue. Ces filles aux yeux si tristes, mais il y a trop de soi. Qu'on s'offre à la marine, avant d'entrer chez soi, avant. Rentrer chez soi. Leurs clients sont souvent d'honnêtes pères de famille, très remarquablement venus dans toute la ville, qui ont parfois eux-mêmes une fille du même âge, et pour laquelle ils rêvent, amour et mariage, amour et mariage. Oui, mais me direz-vous, ce sont elles qui racolent, depuis de temps en temps, il faut bien qu'on rigole. Il n'y a pas de mal à cause de ces filles-là. C'est tout à fait normal, car elles sont là pour ça, car elles sont là pour ça. Sans vous, il n'y aurait pas les mains trop de la mafia. Sans vous, il n'y aurait pas ces petites putains-là qui grelottent à la fois et de feu et de froid. Le diamant chantant pour mourir des Sida, pour mourir des Sida. Pour révéler les yeux que vous ne saviez pas.